Coucou les cousettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit tuto comment coudre des bandes anti-frottement pour les cuisses. Voilà, donc des bandes qui sont très utiles pendant les grandes chaleurs. Voilà, donc je vous laisse à tout de suite pour la vidéo. On aura besoin comme mesure seulement le tour de cuisse. Pour faire deux bandes pour coudre la bande. Pour le tuto, choisissez une bande de dentelle large qui est très élastène. Donc, moi j'ai besoin 1 mètre, donc ça dépend le tour de cuisse. Donc également on aura besoin d'1 mètre d'élastique, donc c'est un élastique spécial avec une bande où il y a une bande siliconée, donc c'est une bande antidérapante. Donc c'est un élastique que j'utilise également pour la lingerie. Pliez en deux le tissu de la dentelle. Je vais découper deux bandes de 48 cm de longueur, donc ça correspond à 60 cm du tour de cuisse, moins 12 cm. Donc ça fait 48 cm de longueur. Voilà l'étape de la couture, donc je vais fixer l'élastique tout en haut de la bande. Je vais piquer à la machine à coudre au point stretch, donc là je vais coudre tous les 10 cm pour maintenir l'élastique contre la dentelle. Voilà, j'ai fixé l'élastique, donc je vais faire la dernière étape. Donc là, je vais replier la bande, donc le tissu endroit contre endroit. Et je vais passer une couture stretch tout au bout
pour refermer la bande. Donc je vais coudre tout le long. Voilà, le tuto est terminé. À bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à liker et partager avec vos amis.